criminalité organisée a kembe peyi a en otage, kembe Port-au-Prince d'Ankoj. La présidente Soubopal l'a condamné zak malhonnête assassinat qu'a fait dans peyi an. La primature a dénoncé et même la justice a demandé justice pour victimes qui tombaient en babal assassin en babal bandit. Autorité n'yo la, y a parlé, y a promettre sans de réelles actions qui pour arriver sécuriser pays a. Bel coup de filet pour la police, BLTS ak ajan douanier nan Miragwanyo, yo saisi yon kagezon zam ak minisyon. Et après, quels sont les suivis d'habitude? Toujours des zam qui saisi. Mais zam sa yo nou pa jam konnen ki kote yo ale définitivement. RNDDH ak Pierre Espérance a présenté yon rapport ki ken la dan différents éléments de formation que l'organisation a relevé dans le cadre d'un massacre d'Elma 32 qui soir. Ou ap gen chance pour konnen information yo, et tout ou ap katande Pierre Espérance qui lui-même a parlé de ça le konnen. Yon l'autre bon, Clarence Renoir qui c'est ancien candidat pour poste président, qui c'est président parti uni, lui-même tout, li pat kache frustration de zak assassinat qui a passé en dedans pays. Situation yo compliquée. Chaque jour, son même fanfare, son même scénario, insécurité qui a valé terrain, groupe terroriste qui a attaqué, moun qui a perdu la vie inutilement, autorité n'y a là. Yo là, yo pas dit rien, yo contenté yo parler, mais jamais pour tes solutions, mais jamais réagir par rapport avec insécurité, par rapport avec instabilité qui a tourmenté bil pays. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Un seul rendez-vous, une seule chaîne. Tag 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est un plaisir. Jeudi an pour me rejoindre nous pour nous parler pays, pour nous faire débat. Chercher information yo pour vous, pour te yo ba ou et pour comprendre yo. Yon façon pour pas en profane dans la rue, pour pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Jeudi an nous là. Travail là. Li en pile et de me faciliter t'achat. Partager vidéo avec tout contact. Yon façon pour plus moun ka atteindre pas travail là et comprendre différents enjeux politiques qui gagnent sous béton là. Déjà, installé ou. Nous parlons pas les pays, nous parlons faire débat. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick la même voix. Rien, pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Avant même moi commencer émission pour aujourd'hui, m'ta remet pour te une précision pour différents amis internautes qui ont même yo te commenté en bas vidéo hier là qui te gain pour avec comportement DG Léon Charles n'a dénoncé dans cadre point de presse dit bail sous massacre qui t'est fait dans Delma 32 qui soir. La meilleure des choses aurait été que DG Léon Charles était venu te dit nous que selon les premiers éléments de formation que PNH là yo recevoir yo recueilli yo joine ces groupes terroristes Fantôme 609 qui rivaient perpétrer et assassinaisa qui fait massacre dans Delma 32 dans qui soir. Là, nous t'as plus ou moins confortable par rapport avec ça PNH en sorti. Mais Lovini, comme directeur une institution qui là pour mener enquête, qui là pour protéger vie moun, pour protéger bien moun et pour venir ou dit que directement c'est groupe Fantôme 609 et puis après leur fin bay point presse ou pral dit que enquête là pral ouvrir. Donc là, ou pas cohérent même. Quand il s'agit de rechercher les preuves, laissez preuves ou chercher pour éteindre la vérité, pour faire la vérité à jaillir au grand jour, tous les moyens sont bons. Ou ka utiliser témoin, ou ka utiliser informateur PNH en gagné, ou ka mener enquête ou jonvle. Enquête l'homme konnen c'est confidentiel. Cependant, ou ka toujours présenter avec public les différents éléments de formation que ou gagné, ka menon son bonne piste. Mais là, c'est pas son piste, non, nous te. DG Léon Charles tout simplement dit, mais qui sa sorti comme conclusion d'enquête. L'ité ka Fantôme 609, l'ité ka un autre groupe. Le plus important, c'est assurer nous que nous menons bon enquête, nous faisons vérité, li sorti. Tout le monde qui est coupable, pour traîner devant la justice, pour punir. Parce que trois moun rete impuni dedans pays.
Jodi an tout moun santi yo à l'aise pour yo faire crime, pour yo tuer moun, pour yo assassiner moun parce que yo konnen vraisemblablement nou pa gon système judiciaire ki fort. Yo konnen pou moun yo ap travay pou akolit yo c'est des puissants. Donc, ou pa janm jwenn justice, fòm ou pa janm jwenn justice, ou perdu net. Donc jodi an fòk bagay yo fèt dans les règles, dans la norme. Pa précipiter rien. Chercher éléments de formation yo mener bon genre enquête pour nous ka joindre résultat parce que c'est ça qui pi important jodi a la ni pour mémoire victime yo ni pour famille ni pour proche victime yo bien n'a rentré dans émission nous pour jodi a hier soir la police fait bel coup de filet dans Miragouane BLTS avec agent douanier yo saisi encore gizon zam gros manche long 9 mm plusieurs centaines boîtes cartouches différents calibres yo saisi yo qui est qui propriétaire cargaison nous pas connaît est-ce que la police pral rive sou yo nous pas connaît est-ce que la justice pral rive sou yo nous pas connaît l'essentiel c'est que la police saisi conteneur yo présenté zam yo bay la presse yo présenté cartouche yo bay la presse et ça s'arrête là. N'a pas campé là parce que c'est ça nous habitué faire, c'est dans ça n'plus confortable, c'est dans ça n'plus bon. Et bizarrement, drôle de coïncidence pral arriver dans quelques jours après, ou pral wè bandi yo, ou pral faire show médiatique, yo pral sous tout réseaux sociaux avec zam 9 nan men yo pral sous tout réseaux sociaux avec bouki cartouche 9 nan men yo. Et sous ta poser tête toute question, kote zam la police saisi yo. Kote bal la police saisi ou pas même kon kote ou fait pas même kon ki route yo fait jodi an sou ta pose tête ou question qui est-ce qui te fait commande ça qui est-ce qui t'a recevoir commande ça ou pas konnen c'est pas que sou manifestant pa gen un destinataire non c'est pas que sou manifestant pa gen expéditeur non ni moun ki voye lan ni moun ka recevoir lan yo sou manifestant oui. Mais c'est joindre moun sa yo, c'est arrêter moun sa yo, c'est traîner moun sa yo devant la justice qui dit qui choyi. Parce que tout moun a protégé moun pa yo, chaque moun est touchable par rapport avec chaque activité, par rapport avec service la prendre pays. Jodi an, nèg nou plus respecté en dedans pays, moun nou plus toléré, moun nou plus bay valeur dans pays. C'est yo même qui a participé dans craser jeunesse là nan craser économie pays là nan mettre insécurité dans pays là nan mettre instabilité dans pays là est-ce que ou même ou quand Annick levé un bon matin dit qu'on soit pral ou pral acheter ou pral faire commande et plusieurs centaines d'armes plusieurs centaines 9 mm plusieurs centaines manche long grand calibre est-ce qu'on ka fèl ou gen accès pour fèl côté le pral passer. Et des fois là où la police saisit cargaison, moi même toujours dit ça. Là où saisit un conteneur zam. Yo pas saisi parce que et la prêté non, la prêté dans et dans PNH, la prêté dans dépôt etc. Yo saisit parce qu'il aurait fallu que PNH là lui montrer que la travail PNH montre que yo voulait stopper question trafic zam dans pays, gros bagarre qui fait. Pour qui ça après suivi ou pas en fait pour population connaît est-ce que zam sa yo détruit est-ce que zam sa yo toujours non dépôt de pièces à conviction est-ce que zam sa yo nan men la police est-ce que yo nan men la justice qui ça fait combien destinataires nous marrer combien expéditeurs nous marrer combien moun qui te voye conteneur Haïti déjà nous prend combien moun qui recevoir conteneur zam Haïti nous prend jodi an la c'est ça ka putil société a c'est ça ka putil population c'est comme ça nous ka aider yo parce que population pa fait nous confiance yo pa gen confiance dans PNH yo pa gen confiance dans autorité nous yo parce que l'ordre di moun non saisi cargaison zam et puis chaque jour bandi a montre zam neuf bandi a fait show avec zam neuf bandi a dou yo gen nouveau manche yo gen ceci yo gen cela qui sont qui sont vle peuple à comprendre qui sont vle population comprendre que c'est l'autre côté yo si c'est pas zam sa yo c'est l'autre cargaison bon et même si c'est à l'autre zam qui ça n'a réglé dans port yo qui ça n'a réglé à moun k'ap contrôler douane yo nous faciliter insécurité à trop dans pays an. Et puis après n'a vinn pété crier m ka comprendre que nous c'est moun avant tout nous gen humanité dans nous gen sensibilité dans nous ka touché par un drame tout. Et encore plus,
Leur c'est un ami, un proche qui victime. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que de l'eau dans les yeux ça suffit? Leur nous c'est autorité, nous pas respecter engagement nous par contre qui responsabilité nous gagnons dedans au pays. Jodian, faut que nous admettre que c'est bandi nous bail contrôle pays, hein? C'est bandi qui a dirigé, c'est bandi qui a fait la loi. Bandi ont déclaré la guerre, bandi ont déclaré révolution, bandi ont déclaré a fait manifestation, bandi ont déclaré des choukaye en bas de la police, en bas de la justice. Et une bagay qui pi frustrant par rapport avec groupe G9 famille Andrimay yonmayen tout, c'est le fait que préalablement si nous ta retiré question gang, question nèg exam, question bandi, toute revendication est juste. Et le pire dans tout ça, jodi an la, moun nan quartier populaire yo, moun nan quartier défavorisé yo, yo besoin manger, yo besoin l'hôpital, yo besoin kay, yo besoin assistance sociale vrai. Et très malheureusement, mauvaise chance pour pouvoir en plaçant, yo te choisi camper structure jeune famille à lire, mais yo pas toi. Qui tempête qui te gagne des jeunes familles à lier ça. Jodi an c'est propre création yo qui tout non échec pour yo qui tout non pour gon encore yo. Nous ka comprendre. Revendication yo juste mais façon nèg yo choisi pour yo revendiquer c'est tout à fait illégal, c'est tout à fait malhonnête. Parce que jodi a pour participer dans kidnapping, pour participer dans déchoukay, pour participer dans vol, pour participer dans assassinat. Non, au contraire que ça la loi dit, ou c'est délinquant. Donc n'a comprendre que jeunesse là jodi an c'est accompagner pour accompagner et meilleure façon nous ka assister jeunesse là c'est mettre camper des structures qui ka éduquer yo, mettre l'école pour yo. Mettez l'école professionnelle pour yo, mettez centre de santé, mettez l'hôpital ba yo manger, ba yo travail, ba yo divertissement. C'est pas ba yo zam parce que zam maintenant mais aujourd'hui demain l'a tourner contre tout. Ça que t'a dit jeune femme a dit t'a fait manifestation contre pouvoir. Ça que t'a dit jodi a là. Jimmy Cherizé alias Barbecue t'a prélé à ban Jovenel Moïse. Gon déclic, gon bagay ki pa mache, gon bagay ki pa mache. Donc, nou rive nan bout nou nan peyi an, nou rive nan moment pou nou pense que sa n'a fait comme politique, sa n'a cherché comme avantage politique, comme privilège, li pa putil nou anyen tout autant que nou pa ou intérêt population, nou pa ou intérêt sak pi feb yo, nou pa ou intérêt moun ki pa ka manje yo. Pa gen bagay ki pi fragile jodi an, le moun nan pa ka manje. Ou ap invite l'al fè violence pou protéger intérêt parce que jou moun sa wè klè. Jou moun sa konprann se utilize ou ap utilize l. La pire de konchi anje nan kò. Oh oui. Et se sa krive la, se nan kou sa pouvwa l'état apran. Bien konté mal calculé, jenè fan fami dédoublé. Et se bien malheureux. Pour nous jeune femme ak jeune garçon nou yo se zam ki nan men yo pour nous jeunesse lan fini comme ça et de pou fini depuis dans sak passo yo pa ka attend nou que la police bat bravo pour ou pa ka attend nou aske la justice bat bravo pour de pou a fè sak pa sa tout action gon réaction de elle tout action gon conséquence de elle donc jodi a la le la police a fait travail li la justice a fait travail li faut ka attend aske répression l'arrivée sous. Bien oui, faut qu'à attendre ça. On va le ranger quoi pour dire c'est camper goumen lié. Eh bien là ça va mourir, y a tué, la police a tué et a stoppé parce qu'on pas gain l'autre, non pas gain l'autre étiquette sous d'eau que bandi. Et comme c'est bandi qui ferraille dans pays hein. Nèg yo décider qui l'a pour vivre, qui l'a pour mourir. Dans Delma 32 dans qui soit, yo fait massacre yo et selon premier élément de formation que réseau national de défense des droits humains RNDDH recevoir avec Pierre Espérance on pas saisi qu'on on pas saisi tande qui quantité balle moun yo recevoir pa gen pa mouri l'opre Diego Chol qui c'est journaliste Radio Vision 2000 lan lui-même li recevoir deux balles li recevoir une nan flan doual et li recevoir une nan avant-bras qui côté le devant barrière la caille nan rue Acacia nan Christoa
Nous avons Marie-Antoinette Duclair, qui est journaliste en ligne, en média qui est de la République, qui est militant politique, qui est porte-parole Matrice Libération, qui recevra 7 balles alors que était dans la machine. La machine n'a pas eu aucun impact de balle sur lui. Dans 7 balles, mes amis, li recevra youn botte gauche li, ça veut dire botte gauche li. Li recevra youn nan joul nan machwel, li recevra youn nan bras gauche li, li recevra deux nan sein gauche li et li recevra deux nan bras gauche li. Pendant li nan machine ni sous volant machine devant la caille de gauchol. Donc est-ce que c'est à bout portant tuel, est-ce que c'est de loin, si c'est de loin faut ta gagne pas de balle sous machine non. Donc ou vinn perplexe ou vinn confus par rapport avec toute déclaration k'ap bay. Donc c'est une raison qui fait aussi rigide avec DG Léon Charles en tant que directeur de la police. Faut qu'ou sérieux dans enquête yo, faut qu'ou sérieux sous élément de formation à présenter bay la pression. Donc faut enquête mener, faut que nous rigide, nous pas qu'à prendre toute bagarre à légère. Jodi an famille yo a pas une réponse pas bon côté la police, famille yo a pas une réponse pas bon côté autorité concernée yo. Donc faut que nous prend situation ça très 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 au sérieux. Nous pas qu'à tout temps à bêtiser, faut que nous quitter le bêtiseur. Faut que nous quitter. Et concernant bilan, nous connaît déjà 15 victimes, 15 familles qui en deuil. 15 femmes qui ont crié, eh bien, je vais éviter de nous donner Pierre Espérance lui-même, qui a un mot pâle pour le dire. En pile frustration dégagée, en pile rage dégagée, en pile colère, et en nous donnant ensemble, nous garder, et puis je vais retourner après pour commenter. Enquête pour les judiciaires, enquête rété, enquête. Et c'est pour la première fois en Haïti, moi, j'ai des autorités qui pas n'importe autorité. Premier ministre, DGPNH, qui est en bas un résultat enquête sans nous-mêmes nous pas attendre et nous pas avoir aucun élément, il va avancer en rien. Il pas avancer en rien pour dire mobile criminel, auteur intellectuel crime ça yo avec exécutant yo et qui est-ce qui t'est planifié, qui côté t'est planifié et même monde qui ont identifié. Et pour nous-mêmes, les nous la police nationale là dans état qu'il y a Jean police a instrumentalisé même gens avec la justice là, ça veut dire gon bagaille cap caché. Pas les crimes qui fait dans le pays, enquête yo compte prend temps. Nous pas jamais la police là aussi efficace comme ça pour y en bail conclusion ou enquête et que ni nous mêmes là nous pas même compte contenu enquête nous pas les détails. Ça sont bagaille qui est extrêmement grave et c'est pour nous mêmes Marie-Antoinette Duclair. C'est un monde qui qu'on a besoin de menace. Li qu'on dénoncer ça déjà. Messieurs dames ça yo, yo gon agence en ligne. Et moi dit, et moi li dernier article que moi joine de agence en ligne ça que au te voye ban moi, ça c'est ça moi par contre si yo te fait l'autre c'est mardi soir jour 29 là. Un petit temps avant assassiné yo que Diego Charles te partagé avec Marian, ni Diego Charles, ni Marie-Antoinette Duclair, c'était mon cas là, quand tu as fait interview là avec moi. Marie-Antoinette, quand je suis là, dans la réunion, Diego, c'est un journaliste qui a monté en flèche tellement il y a une potentialité et son monde qui est très ouvert, monde tout le monde. Ça fait nous mal. C'est déjà, oui, 5 journalistes qui mourent de 2017 pour le journée aujourd'hui. Recommandation, nous avons pour la population hein, qui pour lever camper, pour combattre banalisation la vie, pour combattre l'insécurité, pour nous avoir l'autre l'État, pour nous vivre dans le monde.
Donc c'était Pierre Espérance qui est directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Moun. Et Konya, autour sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington, Konya, nous pral accueillir journaliste Clarence Renoir, qui journée aujourd'hui, c'est un leader parti politique unir, Union Nationale pour Intégrité et Réconciliation. Monsieur Renoir, bienvenue sous la voix de l'Amérique dans Rendez-vous Info. Bonsoir, Jacqueline Bélizère. C'est un plaisir pour moi avec vous dans Rendez-vous Info dans la voix de l'Amérique aujourd'hui. Clarence, il y a un petit problème de sonorisation. Je ne m'attends pas bien, mais je me dis que Clarence Renoir est avant ton leader politique ou tu es un journaliste et tu as assassiné journaliste Diego Charla avec militant Antoinette Duclerc qui est un militant politique. Donc ça veut dire tout. Il y a un autre secteur qu'on a dans tout. Et Clarence Renoir, d'abord, c'est un autre journaliste encore qui mourit et nous connaissons, nous perdons en pile déjà. Qui ont accueilli nouvelles ça? M'accueille avec un peu de tristesse parce que c'est d'ailleurs un monde qui mourit. C'est pas un monde seulement, c'est deux jeunes mondes, Antoinette Duclerc avec Diego Charles, qui évoluent dans le secteur de la presse. Mais l'organe, c'est pas seulement deux mondes, c'est ensemble population civile là qui est victime. Et la mort de Diego Charles comme journaliste ainsi que Antoinette Duclerc, c'est un coup très dur lié pour la presse parce que moi-même, tout des journalistes, moi-même, tout qu'on a fait reportage, qu'on dans la rue. Et dans le cas ça, où est son exécution qui fait devant la caille barrière Diego Charles pour éliminer deux monde comme ça qui n'ont trentaine yo, moi pense que ça a montré nous la gravité, situation insécurité, situation violence politique là dans le pays d'Haïti, je ne jodi à là. Et nous pas même capable de dire, nous pas le résultat d'une enquête, même si vous avez des autorités ou parler de l'enquête, nous voyons que bien des journalistes qui mourent il y a plus que 20 ans de ça, on parlait de Jean-Dominique par exemple. Jusqu'à présent, pas jamais eu de résultat. Okay? Donc, nous rendons compte que la presse a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles dans le pays et nous condamner Zaksa qui fait sur deux jeunes Mounsayo et Antoinette Duclerc qui sont animatrices de radio. C'est vrai, ils sont militants politiques, mais ils sont animatrices journalistes et aussi Diego Charles, que nous connaissons d'ailleurs. Et récemment, tu as eu une formation que USAID a fait pour les journalistes sur l'enquête journalistique. Moi, c'était formateur principal. Tu as animé formation ça et Diego Charles était présent là-dedans. Et donc, Clarence Renoir, et nous liste ta langue, nous t'a parlé de Rospide Pétion, RSF, et Vladimir Le Gagneur, et Néhémy Joseph, et nous t'a parlé tout de Jean-Dominique. Et ouais, insécurité a vu de plus en plus et manifeste dans le pays, son quotidien et pays. Ou même tout son leader politique, qui lecture qu'on fait dans une situation comme ça, dans le pays, côté pays a vu, tant que le monde qui parle français, aujourd'hui invivable. Ça n'a pas des journées jeudi à l'âme, c'est du jamais vu. De mémoire de citoyens, de mémoire de journalistes, pas qu'on ait exécution journaliste faite au grand jour comme ça et de manière aussi facile. Et comme monde qui est en politique jeudi à l'âme, ça m'a pour l'âme, pas qu'au jamais au cours de ces 6 et 10 dernières années. Nous avons aggravation de situation, insécurité, banditisme, violence dans le pays, d'ailleurs, qui est liée à. Avec formation de groupes armés qui officiellement fédéraux, qui ont été encouragés aux fédéraux et qui sont dans la rue, ont manifesté, ce n'est pas la première fois, si nous avons vu ça passer aujourd'hui. Mais bon, aggravation de situation qui montrait que nous avons une phase très avancée de crise que le pays a traversée et qui n'est pas comparable avec aucune étape. Dans 35 dernières années que moi-même, comme journaliste, j'ai découvert, et dans 10 dernières années, depuis que moi, dans le secteur politique, j'ai évolué, vraiment, c'est du jamais vu. Et Clarence Renoir et Toko, nous sommes dans le commencement, et journal là, barbecue, Jimmy Cherizier, il prend et la rue, et lui-même a protesté contre le gouvernement. Dis-nous non, journée aujourd'hui, il y a parlé tout de un gouvernement qui est capable de sortir avec un premier ministre définitif. Ou même, ou parler avec le président, ou faire partie de un paquet de gros réunions qui fait, dis-nous, qui ont une perspective pour le pays d'Haïti? Pas cacher une perspective très difficile. Je préfère, avec le dernier rapport que Mission Organisation État américain a fait sur Haïti, à côté, il fait des propositions. Il propose, par exemple, gagner un accord politique. Je ne dis pas par rapport à la gravité de la crise, là, c'est très difficile pour jouer un accord politique. Ou qu'on est que unis, on n'envoie pas moins toujours à prôner dialogue parce que nous pensons que
pour résoudre la crise haïtienne, il faut un bon dialogue. Nous avons toujours été quoi? Un dialogue. Mais je dis encore une fois, par rapport à la gravité de la crise là, et par rapport à la radicalisation, il y a un dialogue vient encore un peu difficile pour faire. Et nous connaissons la perspective électorale que l'organisation État américaine proposée, qui a fait dans la fin d'année, avec situation insécurité, ça, gang qui a manifesté avec ZAM dans la rue, crime qui a fait gros journée dans la rue, eh bien, nous, elle est difficile, sinon impossible, pour organiser une élection pour le faire de manière démocratique, inclusive et dans l'atmosphère de sécurité. Moi, je pense que la crise haïtienne n'a pas une dimension que les amis internationaux pays d'Haïti doivent accompagner le pays pour le sortir dans un passage que vient là. Et Clarence Renoir, et moi, 30 secondes pour dire un dernier mot sous ta gain, un bail pour dire pays d'Haïti. Ça me dit, pour me dire pays d'Haïti, c'est ça, union toujours à prôner. Nous-mêmes, nous là pour union et pour réconciliation. Nous pensons que pays n'a pas qu'à sortir de la crise d'IA, si un jour ou bien l'autre, jeudi ou bien demain, d'a même dit après demain, en tout cas, il ne faut pas quitter le trop tard, nous capables de chita en tant que nation, petite. Les filles, garçons, même pays, pour nous parler ensemble, pour nous garder problème yo avec vérité et Jean-Louis, et pour nous porter un traitement définitif pour yo, ça pour nous aider, pour nous joindre, pour nous dire français, une solution durable à la crise qui est là. Parce que la crise, ça a répété trop, il fait trop victimes, il fait trop instabilité, il crée gros problèmes économiques dans le pays. Il y a des jours, dit en pile, citoyens obligés de quitter la caillou parce que gang a boumé, fait ou quitter côté autorité dans la zone Martis en Fontamara, eh bien, nous avons besoin de Chita pour nous parler, pour nous résoudre ensemble de crise yo, pour que solution la joindre là, une solution définitive, consensuelle, qui mène nous dans le retour de la démocratie et aussi pour nous capables de commencer à gagner un progrès économique dans le pays. Pierre Espérance parlé, Clarence Renoir parlé, tout le monde a une seule préoccupation par rapport avec le phénomène de sécurité. Par rapport avec bandits qui prend pays en bandits, qui fait la loi, qui fait railler, qui tue les gens, qui assassine les gens, qui kidnappe les gens, qui viole les gens, sans que l'autorité de l'État ne dise rien. Yo seulement là pour constater, même gens avec population, yo a dénoncé sans jamais engager vraiment dans combat contre sécurité, dans hein, combat contre violence armée, violence de gangs a fait en dedans pays, hein, en dedans quartier populaire yo, dans troisième circonscription Port-au-Prince précisément. Jodi an bon réponse qui pou porter avec phénomène insécurité. Hein. Bon réponse qui pour porter avec phénomène banditisme dans pays. Hein? Est-ce que c'est après 7 février 2022 la privée? Nous pas connaît. Est-ce que c'est à cause président Jovenel Moïse qui fait violence ça, li aussi poignante, li aussi présent dans pays? Hein? Nous pas connaît. Mais seul ça nous connaît. Sans gouvernement, sans pouvoir en place, sans j'ai 9 familles alliées pas d'exister. Tu as toujours gen gang. Tu as toujours gen bandit. Tap toujours gen violence. Mais jan violence organisé à la. Jan violence là, li structuré à la. En dedans fédération ça, en dedans coalition ça, son l'autre bagay. Fok l'État prend ça en considération, fok autorité concernée prend ça en considération. Parce que de jour en jour, situation sécurité en dedans pays, c'est dégénéré, l'ap dégénéré. Je dis à l'un nèg exam prend la rue a fait manifestation pa gen rien pour dire que constater décadence paysan que constater paysan fin dégringoler pa gen rien k'ap chapé là-dedans. Oui. Pa gen sorti de là, pa gen sorti de violence ça, pa gen sorti de insécurité ça, pa gen sorti de coalition jeune famille alliée. Pa gen moun ap ofri une occasion, pa gen moun ap ofri une opportunité pour pas saisir. Nous te mette kapé jeune famille allié main une main tout et bien jodi an là nous te mette voler nous te mette sauter nous te mette pomper jeune famille allié pas rien ka craser pas rien ka diviser yo y a bataille entre eux c'est vrai y a fait guerre entre eux c'est vrai mais c'est leur un problème pour qu'on ait qui quantité dans problème groupe armé peu importe divergence d'opinion yo gagne peu importe problème yo gagne yo choisi chita ensemble yo choisi dialogue yo choisi structurer yo. Alors que nous-mêmes n'ap défendre intérêt population, n'ap défendre peuple, n'ap défendre misère pour peuple, n'ap défendre grand groupe pour peuple, nous relè tête nous politiciens, nous relè tête nous démocrates et puis nous dit nous pas pour dialogue, nous pas pour chita parler, nous pas pour chita parler, nous pas faire ceci, nous pas faire cela. Qui ça nous voulait pour pays? Qui ça nous voulait faire pays? On dirait que c'est nous-mêmes encore qui a poussé insécurité, hein, poussé violence, hein, poussé division, juste en façon pour nous toujours mettre tête nous vers l'avant, pour nous toujours faire nous paraître comme libérateurs, comme sauveurs. Jodi an la, peuple
fatigué. Moun yo fatigué. Violence en fatigué, li épuisé population, li épuisé moun nan Martissa, moun nan Fontamara, moun nan Badelma épuisé, moun Cité Soleil, moun la Saline, moun Belè yo épuisé, yo fatigué. Même directeur d'opinion, même moun kap aide public la comprendre actualité, yo comprendre et comportement acteur politique, yo fatigué chaque jour répétant même bagay. Yo envie parler de développement, yo envie parler de progrès. C'est ça yo qui est important, c'est ça yo qui ka aider nous sortir dans sa nia. Mais politique la pa ba nous chance pour nous rêver, politique la pa ba nous chance pour nous faire projet futur, pour nous faire projet d'avancement. Parce que c'est dans misère yo à l'aise avec nous, c'est dans misère yo choisi kembe nous, c'est yo nous contre l'autre choisi faire nos batailles, yo choisi faire nos gourmets. À quelle fin a des faits politiques pour satisfaire intérêt ti bourgeois, intérêt politicien sans coucha, qui au même pas aucun intérêt dans le pays. C'est réalité pays nous, c'est la grande réalité d'Haïti. Je dis qu'à comprendre que politique là pas concerné parce que peut-être au cas de pays. Ou ka comprendre que politique là pas concerné parce que on mange bien, on mange à l'aise. Ou ka comprendre que politique là pas concerné parce que ou gen 2-3 amis nan pouvoir qui ont même a facilité des avantages ou bien on est dans opposition politique tellement il n'est ça tellement agaçant depuis le parler tout monde prêt pour aider tout monde prêt pour tendre mais bon dou et demain leur pas sous pouvoir et leur pas dans opposition politique encore quand on a pied ou même comment on pourrait être tout dans 5 dans 10 ans comment est l'autre monde qui dans misère, comment est l'autre monde qui dans extrême pauvreté yo? Donc moun sa a toujours envie de discriminer yo, a toujours envie wè yo pas semblou parce que moun sa vraisemblablement façon le comporter, façon pouvoir l'état rabaisser dans indignité moun sa vivre là ouais vraiment le pas semblou. Mais au fait nous tous ces moun nous ces haïtiens nous pas choisi haïtien si nous t'a bon nationalité pour nous t'a choisi peut-être pas t'a jamais choisi pour haïtien. Nous avons une belle histoire, c'est vrai. Mais c'est tout ça créé comme souvenir pour nous. Oui? C'est tout ça nous en mémoire, une belle histoire. Nous fiers pour nous parler de ancêtres. De belles travaux ont été accomplis, indépendants de ce nous. Mais nous-mêmes, qui ça nous a accompli pour la génération qui vient là? En tant que chef d'État qui est passé, en tant que chef d'État qui est là, qui réalisation, qui travail n'a quitté pour l'histoire juger nous. Fok histoire ka juge nou, même jan jodi an, nou genye de Saline comme père de la nation haïtienne. Que seras-tu dans les annales de l'histoire d'Haïti? Comment l'histoire ap kenbo, ki souvenir ap gen de ou? Est-ce que ap sonjou comme corrupteur, comme dilapidateur, comme volé, comme un président qui te marque l'histoire, ou bien un président qui te fait travail comme ça, ou te bataille pour peuple qui te respecte engagement, qui te prend responsabilité la main? Qui te là, qui te campé tête contre insécurité, contre instabilité politique, contre violence. Est-ce que c'est ça, n'a pas gagné comme souvenir de président Jovenel Moïse? Qui souvenir nous gagne de l'ancien président Michel Martelly, de privé qui te passé? Aristide bien avant. Qui souvenir nous gagne de yo? On fait bon combat yo, on n'a pas bataille inutilement, n'a fait conflit, n'a bataille jouer avec moun pour nous dire ça t'es bon, ça t'es pi bon, ça pas de bon. On songe ça yo t'es fait pour nous qualifier yo, pour nous catégoriser yo. Si moun nan c'est violence si t'es commencé mettre, c'est violence si qui t'a pas dire t'es bon. Nan ki ça t'es bon là. Mais ça me bagay yo grave. Élément de formation qui a privé joindre nous c'est que gen moun nan Delma 32 toujours gen famille nan Delma 32 qui a cherché proche yo qui a cherché zanmi yo jusqu'à date pour ka joindre yo. Donc bilan peut-être bilan pral la lodi bilan pilou n'a sorti dans 15 pour nous aller pi haut. Oh oui, bagay yo grave. M'a fini émission jodi avec un fait insolite. En Haïti ou gen pour être tout bagay incroyable mais vrai. Bagay sa li passe dans la Gonaf. Yon jeune garçon qui rele Sonson qui décide à le montrer ménager conduit moto. Qui bol choisi pour le faire son piste d'atterrissage. Nous entendez bien oui, yon piste d'atterrissage côté avion descend. Eh bien Sonson li même qui pat getan wè avion t'a vini. Avion li même qui pat getan freiné parce que fol déposer moun yo, faut que li atterri. Collision faite.
Sonson victime, Dinashka victime, mais chance pour yo pas mouri. Qui soit doit retenir dans fait ça? Jodi an, Haïtien pas respecté limite yo pas respecté principe établi yo fait ça yo vle gens yo vle gens hôpital, il suffit que yo gen envie y a fait. On piste d'atterrissage c'est côté avion descend. On piste d'atterrissage, li pa on route pour aller conduire moto, li pa on route pour aller conduire machine, li pa on route pour passer. C'est côté avion descend, c'est côté avion volé. Nous victimes par ignorance, nous victimes n'a fait gros colette. Alors que n'oubliez que vie nous plus important que toute bagaille, leur on limite qui fixé, c'est respecter limite là, ça n'a pas besoin de gommer pour nous franchir. Li pa putil nous rien. L'essentiel c'est que monsieur Damio est hors de danger. Il a pris ça comme leçon pour pas le monter sous piste d'atterrissage encore, pour pas le monter sous piste avion. Pour yon connaît ses poids, avion le vet, il pas fait pour moto, il pas fait pour machine, il pas fait pour bourrique. C'est ça qui est important. Yon grand merci à toute équipe la nouvelle là qui a fait un très bon travail sur Facebook, qui te relaye information ça, qui a fait, qui a permis ou même où qu'on est sacrivé dans la Gonavlan, dans Ans à Galer. Principe là, il pas changé. Continuez à regarder vidéo, à partager vidéo avec tout contact ou quittez un commentaire, quittez un like. Rendez-vous en l'ICAC pour dimanche pour une autre sortie de mon éditorial. Ma invite à rester connecté avec channel là pour reste programmation. Grand pile information qui pral tomber, grand pile analyse qui pral fait, rester connecté, pas changer chaîne. Avant d'aller, quittez mon remercie encore une fois pour écoute, pour fidélité, pour attention. Merci parce que commenter, merci parce que liker et surtout, on connait pral partager émission en foule. Rendez-vous en dicasse pour dimanche, des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là, même voix. On n'est pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, c'est tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.